Ça s'en va, ça s'en va, ça avance, le départ est pas donné. Voilà, le départ était prévu à 14h30, il est 14h26. Bon, vous avez 4 minutes. Je suis en train de filmer là. Filmer les marches. On a vu des mules en noir. Bon, d'accord. Attends. Tu me rappelles ? Des difficultés, mais ça ne va pas leur faire peur, ces quatre-là. L'équipe de Patrick Ozomeri, le premier coureur qui entraîne les autres. Karine Sanson, qui est la seule féminine de l'équipe et qui leur permet d'avoir... C'est autorisé, si, si, tout à fait. On peut le faire en VTT ou en, du moment qu'il n'y a aucune contre-indication de l'organisateur. Oh, Antonia Giraud, là-bas, sera la deuxième féminine. Et c'est elle qui dirige. Le maire sera représenté donc par son adjoint, monsieur Vignot. La protection civile, on a parlé du photographe, on a parlé du sonorisateur, on a parlé des masseurs qui... Aquitaine 2008, voilà, cette équipe qui nous vient de Camarsac. Karine Sanson. La féminine, à ses côtés Patrick Ozomeri, Pascal Mouchard, Laurent Devaux. On va, ils sont trois, il y a Laurent Devaux, le vainqueur de la première étape. C'est l'équipe 34 de Laurent Devaux qui est très bien classée au classement général. C'est par la main, avec évidemment ses coéquipiers. De suite derrière, on a l'équipe numéro 20, c'est les pompiers d'Arcachon, très bien classés eux aussi. Ainsi donc Julien Jarry qui pousse Denis Grabeau. Voilà pour cette équipe des demi-spoils, deuxième du classement général. La première, cette équipe-là, eh bien on les reconnaît, c'est les quatre princes noirs. Et derrière, ce sont les princes noirs tout court, avec David Chauvet, Astriel, Gonzalez, Bessonne, Berger et Omerenat. On le signale aux Lantonais, aux Lantonaises, ça veut dire, eh bien, les célibataires. Voilà, et puis l'équipe 49 qui vient d'arriver, c'est au bonheur des dames. Et puis voilà, beaucoup d'autres équipes arrivent, notamment les 46, c'est quelques hectomètres. Voilà, Mathieu Daban, Jean-Jacques Daban avec l'équipe 48, avec Mathieu, Jean-Jacques Daban, Arnaud Berlatry et Olivier Crépin. Voilà, les 12, tout en rouge, c'est l'équipe de Tasso avec Cyril Posé, Emmanuel Chetti, Pascal Tabaran, Franck Thévaux. Voilà pour cette équipe. Voilà, avec cette équipe, les princes noirs mixtes, Philippe Nau, Hélène Dessage, Françoise Maillet, Philippe Maillet. Voilà, dernière ligne droite pour l'équipe qui arrive là. Avec l'équipe 50, les Creux, Sébastien Chassagne, Olivier Casalé, Guillaume Combe, Mathias Lescoumer, l'équipe, voilà, Dodange qui arrive là au sprint, 30 et 39, alors ça sera 30 là, c'est déjà,
Voilà les premières du classement général, les princesses, les baroudeuses, très très bien placées au classement général, Sophie Micoula, Patricia Wolf, Janine Chauvin, Virginie Augeron-Rousseau. Voilà les garçons, voilà ça continue d'arriver avec cette équipe 44. Ça se voit, on voit ça de suite, à son regard, on voit. Voilà, on reparle de toutes ces municipalités du bassin et on donne la parole à nos élus. Voilà la dernière équipe. Voilà, on les a interviewés tout à l'heure aussi, c'est les Gitans Cool. Voilà, bravo les Gitans Cool. Ils ont fermé la marche, il en faut.